Et on y retourne. Où ça? Dans un jeu sympa où on va se détendre dans la folle rigolade. Vous reconnaissez? Oui, c'est Visage. La seconde partie des aventures, si on peut dire, dans ce jeu, est sortie récemment. Et j'ai pas trop eu le temps de m'y replonger. Donc je vous ai fait déjà une première série de stream sur ce deuxième chapitre. Et puis là, on va continuer de faire une capture de rush, parce que je ne sais pas du tout comment je vais présenter ça, et ce sera toujours un stream d'Exorcims, pas de Cyclims. Ne confondez pas, surtout, c'est important. Allez, on tourne pas autour du pot. Je sais plus trop où on est dans le jeu, pour être parfaitement honnête, parce que j'ai eu un mois d'août qui était parfaitement surchargé. Ok, c'est reparti. Donc, je suis à la recherche d'un moyen. Un moyen supposé simple, hein, on va dire. De pouvoir accéder à cette damnée trappe ou la déclencher. À mon avis, il faudrait une perche. L'autre option, ce serait une échelle. Une échelle, j'en ai croisé une et vous me croirez pas, mais j'ai pas pu la prendre. C'était pas possible. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai pas croisé d'autres objets qui ressemblaient à quelque chose pour essayer de déclencher ce truc. J'aurais bien envie de m'en aller, mais bon. On n'a pas trop envie de me laisser faire. Et j'ai cette piole avec une porte qui est totalement verrouillée. Voilà, pas moyen de l'ouvrir. Tout est dit. Ma mission, si je l'accepte, c'est de trouver donc le moyen de quand même de monter tout là-haut. Et pour monter tout là-haut, moi, ma logique, c'est de descendre tout en bas. Me demandez pas pourquoi. Ce jeu est vicieux. Je m'adapte à lui, hein. Alors là, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut essayer de se faire un petit tour de voiture, mais que dalle. No way, les amigos. En visitant un petit peu, on voit qu'il n'y a rien à récupérer, bien entendu. Sinon, ce serait pas fun. Et je suis super ennuyé. Il y a tous ces outils-là qui me tendent. Regardez, l'échelle, elle est là. Et vous la voyez bien? Voilà, je peux pas la prendre. En plus, il y a ce bug là de... Je sais pas pourquoi. Ça n'empêche pas que mon échelle in the bag. Hein. Extincteur. Non, tu n'as rien à prendre là-dessus. Tu peux pas prendre le compresseur. Pourtant, quand il y a des problèmes d'électricité, un compresseur, c'est bien pratique en général. Hein. Tu ne peux pas prendre ça. Enfin, tu peux le pivoter, voilà, mais c'est super fun. Tu en fais rien, quoi. T'as des marteaux, t'as tout ce que tu veux, quoi. Regarde ça! Et mets-toi dessus, cette tête de nœud. Ah, putain! Don't. Je le veux, ça. Man, je le veux. Je veux ce truc. Je chope l'anneau qui est tout là-haut, logiquement. Pourquoi? Mais pourquoi, les amis? Pourquoi? Moi qui étais un mec tellement sympa. Je vais devenir rageux à force. Ça, tu veux le prendre? Tu peux pas. Regarde la jolie scie là. Oh là là, mais. Que quelqu'un s'amuse à me courir après avec un drap dessus, franchement, avec ça, moi je fais un carnage. Aïe aïe aïe. Et on peut donc pas prendre un seul outil. Donc je sèche à mort. Parce que je sais pas du tout ce qu'on peut faire. Marteau, j'ai un râteau. Le râteau, il me permettrait de choper ce truc là-haut. Non, tu peux pas le prendre. Le balai, j'ai une petite idée pour le balai. Mais je vais pas vous le décrire parce que c'est. On en stream tout public quand même. Mais voilà. Non, je suis super ennuyé, moi. Non, 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 toi tu m'aideras pas. Tu sers à rien, quoi. Interagir.
Oh nom de Dieu. Bon, bah on a tous compris, ça va, ça fait un petit moment qu'on tourne. Non, bah je vais pas le prendre. Non, non, je le jette. Et je vais pas retourner où je dois retourner. On va mettre le turbo un peu parce que ce fut assez douloureux ce tournage en rond. Haha! Anodox. Mais tu me prends vraiment pour hein? Bleu. Je me suis pris le truc dans la gueule. Ah non, ne fais pas un bug de clipping, s'il te plaît. Sois sympa. Là, il m'a vraiment fait peur ce jeu. J'essaierai de couper cette mobylette au montage, ça ne fonctionne pas du tout. Ah bah c'est ça l'été hein, quand t'es obligé d'avoir les fenêtres ouvertes en espérant malheureusement un courant d'air à 1 h, 2 h bientôt du mat. Et il fait toujours. Ah, ça redescend, 30. Alors, est-ce que quelqu'un me voudrait du bien dans le coin? Parce que la musique l'indique. Et quand la musique est bonne, vous savez bien. Oui, bonne, bonne, bonne. Le voilà, mon rocking chair. J'ai pas de bougie que je puisse installer ici, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, regardez. Je fais un petit tour avant, histoire hein, de voir si je peux me faire des amis. Bon, le rocking chair m'appelle. Salut! Voilà, tu arrêtes. Tu arrêtes ton cirque. Ah bah là au moins je sais où je vais atterrir. Je vais atterrir dans un gros lit moelleux, je vous le dis tout de suite. Eh oui. Elle est verrouillée et je peux pas la crocheter. C'est dommage. C'est encore plus dommage. C'est encore beaucoup plus dommage. Alors en général les clés sont pas très très loin si on est logique. Donc elle doit traîner dans le coin. Ok. Allez, on va faire la petite descente. Je sais où on est. C'est la chambre. Allez. Platch. Ah mais il fait super bon en plus les gars. Regardez ça. Alors je viens de passer dans une dimension parallèle. Elle était pas du tout aménagée comme ça cette chambre les gars. Je suis quand même tombé du premier coup sur le tableau qui bougeait, ça c'est du bol. Ok. On va faire un petit tour légal, des fois qu'il y a des choses à récupérer, à shipper. Petit coup de radio. C'est un vrai miroir. Je me vois pas, mais c'est un vrai miroir. Cassette. His symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder.
They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. I don't know what to do anymore. It feels like the treatments are only making things worse. Today she told me she often hears her own voice whispering a sequence of 5 numbers through the baby monitor. She said it's the key to her inner house. What does that even mean? What am I supposed to do? 50 973. C'est ce qui me semble. C'est écrit assez souvent pour qu'on le voit un peu quand même. 50 673. Faut que je me rappelle de ça, les gars. Je vais le marquer parce que je suis capable de l'oublier. C'est bête, mais ça arrive. 50 673, ça doit être ça. Oui, bah on ne se moque pas. Les mecs sur Apple 2, hein, quand ils nous faisaient jouer, il fallait qu'on se fasse les maps sur un petit cahier à carreaux à côté parce qu'on se paumait totalement, vu qu'on n'avait pas d'univers représenté très précis. Et que par contre, à la conception, ils faisaient pas de cadeaux et c'était très précis les déplacements. Et du coup, bah oui, on avait toujours le carnet à côté, on griffonnait. C'est une vieille manie qui a disparu et qui ferait presque remonter des petites pointes de nostalgie des fois. Je vais passer à travers le miroir, c'est très fashion. Non, je ne peux pas, c'est un vrai. Ok. On va essayer de faire un tour. Ça s'ouvre pas, ça. Elle est verrouillée. Mais il me faut des clés de partout, là. Ça va être le bordel aujourd'hui. Les valises ne servent à rien. J'ai pas encore de la chance si je touche un de ces portraits. Non. Ok. Alors, j'avais peut-être un indice avec les portraits à côté, je sais pas. Je crois pas. Très honnêtement, je ne crois pas. Ah, mais je suis enfermé de partout. Je vais essayer toutes mes clés. Hein. Bon, il y a une clé que je suis pas arrivé à trouver apparemment. Et ça, c'est bad. C'est très très bad. Où pourrait être cette purée de clé? Not. What? Interagir? Tu veux que je trouve des morceaux de mobile? Ok. Une clé, des morceaux de mobile, une clé. Comment vais-je me débrouiller? Alors, c'est pas gagné vu que je peux plus remonter, moi. Me voilà bien... Mara. Et si Mara je suis, eh bien, il faut pas que j'arrive à ce qu'on me mette à bout, parce que Marabout... je sors, ok. Ah, il manque des trucs, on me donne des indices, mais on me donne pas d'éléments à tripoter. Donc du coup, je suis un peu paumé. Je me sens bête, je me sens super bête, je sais pas quoi faire de... Tata, j'avais pas fini. Si on me laisse regarder sous plusieurs angles, quelle est l'utilité? Pas de balle. Merde alors. J'aime pas quand c'est comme ça. J'aime pas du tout. Personne n'aime quand c'est comme ça. Et il manque quelque chose, elle vient de dire. Mais il manque quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il manque? Il manque la deuxième pantoufle? Non, on me fait pas ça. Bon, on va faire ça. Je vais trouver la deuxième pantoufle. C'est parti. Non, mais ne fais pas. Sérieux? Vraiment? Putain, mais il se fout de moi, ce truc.
J'ai le maudit. What? Alors attends, je cherche une logique là. Donc j'ai entendu, il marchera moins bien ce miroir. La porte est peut-être ouverte là-bas. Sûrement. De toute beauté. Bon, on va avancer enfin. Donc les gars, vous saurez maintenant quand vous êtes dans une maison hantée. S'il y a un truc, un endroit où vous êtes coincé, essayez de faire des paires avec les chaussettes, les pantoufles, les godasses, ce que vous voulez. Peut-être les slips, hein, ça marche aussi. Et vous verrez, tout va se déverrouiller comme par magie. Sur ce coup-là, quand même, c'était un peu. On n'était pas loin du Lucas, quoi. Bon, pauvre miroir, ça tombe de malheur. J'en suis plus à ça près, hein, les gars. Non, je vous le dis directement. La boîte, elle s'ouvre pas plus. Non, ok, je vais aller chercher cette clé. Maintenant qu'on peut enfin se déplacer dans cette maison qui est. C'est quoi ça? J'ai pas très très envie de savoir en fait. C'est sale. Oui, bah c'est ce que je pense. Mais c'est pour ça que je vais me. Hop, oh, il y a quelqu'un là. Madame, ça va? C'était quoi le truc? On aurait dit un cordon. Oh, je vais pas détailler parce que c'est déjà assez dégueulasse comme ça. Regardez tout le bordel que vous avez mis par terre. On discute un peu? Allez, on discute. Madame, faut arrêter de faire des bruits comme ça, c'est dégueulasse. Où elle est? Elle se fout de ma gueule en plus. Et je suis revenu dans ma baraque d'origine. Ok. Comme quoi, les gens qui mettent du LSD dans le dentifrice, c'est pas sympa. Hein. Donc je suis revenu dans ma maison. Ok. Bien. Laisse-moi s'allumer, parce que j'ai pas 36 000 briquets. Je suis dans ma maison. Il y a toujours cette histoire de truc là. Yes. Ok. On va essayer d'aller dans cette pièce. Je promets rien. Parce que si c'est aussi capillotracté que ce qu'on a eu juste avant, on n'y est pas encore, je vous le dis tout de suite. Toute logique, bon, logique toute toute, ça devrait être par là. Pas moyen d'ouvrir. Tu m'étonnes. C'est censé donner sur l'autre chambre. Et là, c'est censé être une pièce qui serait complètement différente. Donc, de. La totale. J'arrive. Il y a encore un miroir qui est planqué derrière la porte là. Je crois qu'il va revenir avant la sauvegarde, ce salaud. Est-ce que j'aurais rien à récupérer là? Je peux pas le reprendre ce charmant maillet là, qui m'a l'air bien sympatoche. Fuck yes. Je le veux. Comment tu fais durer, mon ami? Alors là, je vais adopter une politique que certains vont peut-être éprouver, mais franchement, les années de malheur, je suis plus à ça près. Hein, donc, j'ai un maillet.
J'ai des miroirs. Ok. Putain que je le veux ce maillet, tu m'étonnes. J'ai la grosse voix. On y va? Qu'est-ce qu'on attend pour être happy? Bah, maintenant, ma technique, ça va être, je vois un miroir, je le défonce. C'est reparti pour le cirque. Oh putain. Alors, heureusement que j'ai mangé léger pour le petit-déj parce que on va speeder un peu. Cette porte est pas du tout dans le bon sens, les anges. Et il est où? Et il est où? Et il est où le scare jump de la mort? La 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 la. Oh putain, où c'est qu'il m'a envoyé? Là, ça y est, c'est bon, c'est la salle de la télé, ok. Va bien se passer. Je vous le promets. J'ai trop trop envie. On teste. Apparemment. J'ai un maillet, mais j'ai pas la possibilité de m'en servir. C'est vachement moche. Alors du coup, là, je sais pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que je vais faire avec mon maillet? Les gens qui ont une idée, vous me dites. Parce que là, j'en ai carrément pas. Bon, bah, on va tenter ce passage. Avec une grande envie. Une motivation intense. Et un plaisir partagé. Clé sous-sol, j'ai ça, non? Fuck yeah. Des rallonges, des conneries, des bidules. Prendre, examiner. Que dalle. Et que dalle. Super, débriqué, il y aurait pas. Je suis pas prêt d'y déverrouiller ça, les gars. Si la vieille me serre ici, c'est foutu. Pourquoi je peux examiner tous les trucs? Très inutile, très inutile. J'ai un maillet, je sais pas quoi en foutre. J'ai mon briquet qui est en train de se consumer. Dans ta gueule la porte. Là il y aura rien. La truelle magnifique. Ah, on m'a volé les chiottes. Quoi? Je peux descendre là? J'ai super envie d'y aller. Je m'excuse, mais on va faire ce qui est réglementaire. La sauvegarde. Quelqu'un a volé les chiottes, c'est triste. Et là je peux plus sauvegarder. Mother, Mother quelque chose. Je vous laisse deviner la suite.